Eh bien, bonjour, merci d'être présent. Petit comité, certes, mais je pense que c'est parce qu'on a des personnes de qualité, n'est-ce pas? J'aime à penser ça. Alors, vous êtes réunis et nous sommes réunis pour l'événement de Cosplay Mania à la Cité des Sciences. Donc, on va parler bien évidemment cosplay. On essaie d'avoir les choses un peu plus en profondeur. Donc, on a organisé une série de tables rondes hier. C'était sur l'artisanat. Il y aura aussi une table ronde sur les métiers et aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à l'aspect sociétal avec une table ronde sur identité et représentation dans le cosplay. Et pour aborder ce sujet, j'ai avec moi trois super invités de marque. Vous pouvez, je pense, les applaudir. Voilà, ça met un peu dans l'ambiance. Merci beaucoup. Et je vais peut-être vous laisser vous présenter vous-même, vous serez les plus aptes à le faire. Bonjour. Qu'est-ce que je m'appelle Axel. Je fais du cosplay depuis 2018. Et c'est une passion qui a pris une grande place dans ma vie. Donc ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui pour en parler. Bonjour, moi c'est Ayane, pardon. Je fais du cosplay depuis 2008 et du coup, je viens parler de mon expérience et ce qui me plaît et ce qui me plaît pas dans le cosplay. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Nordi. J'ai commencé le cosplay en été 2012, donc ça fait un petit moment. L'année dernière j'étais représentante Nouvelle-Aquitaine pour la Coupe de France de cosplay et donc je suis ravie voilà de partager mon expérience avec vous. Merci beaucoup. On a le haut du gratin, j'ai envie de dire, avec nous. Alors, pour les personnes qui sont physiquement là avec nous, ils ont sûrement déjà parcouru un peu le parcours avant d'arriver à cette salle. Vous savez déjà peut-être un peu ce que c'est le cosplay, mais pour les personnes qui vont regarder la rediffusion, peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, vite fait, une petite remise en contexte historique du cosplay, qui est donc la contraction de costume et play, à savoir incarner un personnage de fiction, incarner à la fois de façon vestimentaire, mais aussi incarner les mimiques, l'éthique de langage, etc. On peut se présenter en cosplay dans des conventions, on peut faire des regroupements entre amis, faire des concours, etc. Et qui dit forcément incarner une autre personne, dit qu'on va se poser des questions sur qu'est-ce que ça peut dire de notre perception de soi, de ce qu'on ça évoque chez nous comme thème, par exemple. Et je pense que la meilleure façon de débuter cette discussion, c'est peut-être déjà de savoir ce qui vous a un peu amené vers le cosplay, comment vous l'avez découvert, et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y mettre vous aussi. Je commence alors? Alors, en fait, j'ai rencontré une personne qui faisait du cosplay, qui est maintenant une grande amie à moi, et qui m'a dit, mais ça te correspondrait trop, fais-le. Ça me correspond trop parce que j'adore m'identifier vraiment au personnage dans les jeux. Quand je vis enfin, le jeu, je le vis à fond, quoi. Et quand c'est fini, j'aime justement faire venir à la vie ce personnage. C'est quelque chose qui, à la fois, je travaille avec mes mains, il y a vraiment un côté physique, quoi. Et en même temps, je continue la fantaisie du jeu. Pour ma part, ça date. J'ai fait une convention en 2007 et c'est là où j'ai découvert le cosplay du coup. Et je me suis dit, mais c'est trop cool de s'habiller comme le personnage en fait qu'on adore et monter sur scène ou se faire prendre en photo ou juste s'amuser avec des potes et on est tous dans le même délire. Et du coup, j'ai demandé à ma sœur de m'aider à faire mon premier cosplay en 2008. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que je me suis lancée dedans et que j'ai jamais arrêté. Pour ma part, moi j'étais du côté, comme tu disais, vraiment dans la fiction. C'est-à-dire que souvent on me dit, quand tu regardes une émission, tu rentres dans la télé, quoi. Donc pour ma part, moi je faisais vivre avec de la.
terrains de travail qui s'en rapprochent. J'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que pendant la préparation de cette table ronde, Axel, tu m'as parlé de la participation de ta mère à la création de tes costumes. Et du coup, il y a ce côté aussi à fait main et le lien aussi qu'on peut créer avec les costumes. Est-ce que tu as quelque chose à dire Oui, tout à fait. Ma mère a travaillé dans la couture et donc moi, j'y connaissais rien. Donc, je lui ai dit, apprends-moi, quoi. Et vraiment, on a passé des super moments ensemble. c'est devenu un peu une activité qu'on fait toutes les deux, un peu un rendez-vous. Et toute seule, je m'énerve et ça ne marche pas. Et à deux, on s'énerve puis on rigole parce que en fait, c'est super drôle. Et du coup, comment est-ce que vous choisissez les cosplays que vous voulez faire ? Moi, personnellement, c'est beaucoup au visuel. Quand le costume va avoir des textures, des couleurs différentes, en fait, je suis intéressée parce que ce qui m'attire sur un personnage, ça va être comment je vais le réaliser plus que de le porter. Et donc, du coup, un personnage qui va avoir, dont j'imagine aura beaucoup de techniques à aborder, parce que je vais apprendre, du coup, la plupart du temps, c'est ça qui m'intéresse, en fait, à découvrir, tester, essayer, expérimenter. Voilà. Pour moi, c'est ça. Moi, il faut que le personnage de base, me parle. C'est-à-dire que si le personnage que j'ai vu dans la série ou le dessin animé que j'ai vu me correspond psychologiquement, si sa tenue me correspond psychologiquement, si sa tenue me convient également, je le choisis. Alors, ça, c'était moi jusqu'à il y a quelques mois. Et il faut dire que j'ai grandi, je vieillis également. Et faut l'aspect financier maintenant avec le cosplay, parce que ça coûte un petit peu d'argent. Et j'avoue que maintenant, c'est même si j'adore ce perso, même s'il me correspond, maintenant, pour choisir, en fait, je me dis, OK, je veux faire cette tenue, je veux l'acheter. Est-ce que je peux le recycler pour faire quelqu'un d'autre derrière, que j'aime tout autant ? Ou est-ce que je vais le porter plusieurs fois ? Quel accessoire il a pour pas juste m'ennuyer au bout d'un moment en fait de l'incarner ? Parce que quelquefois en fait on pense qu'on va s'amuser et c'est pas le même ressenti qu'on a à l'aller ou au retour. Et du coup en fait je pense à tout ça et après je fais OK, toi je te fais. Voilà. Disons que je passe beaucoup de temps à jouer à des jeux et finalement, à force de jouer, je me rends compte parfois que deux choses sur moi. Tel personnage, il a tel trait de caractère, telle façon d'être, qui me font réaliser qu'en fait, c'est exactement ce que moi aussi je fais dans la vie. Et généralement, c'est ça mon critère. C'est si vraiment ce personnage m'a fait réaliser quelque chose sur moi, m'a fait avancer, c'est go, quoi. Super. Et là, on a parlé plutôt de la phase un peu planification. Mais entre celle-ci, entre la phase de fabrication qui peut être aussi plutôt sympa, parfois on a envie de se tirer les cheveux, et le moment où ça y est, on peut porter le costume et le montrer aux autres, c'est quoi votre moment préféré et qu'est-ce que ça vous fait ressentir aussi à l'intérieur ? En fait, ça dépend. Parce que effectivement, moi, je suis tendance à soit les faire, soit les acheter. Je m'en fiche royalement. Il est vrai que quand je le fais, du coup, c'est le final, en fait, qui me plaît le plus. C'est vraiment genre, ah ouais, ça rend bien sur moi, ça. C'est trop bien. Ah, j'ai trop hâte de faire des photos. J'ai trop hâte de le porter dehors et de jouer avec ce truc-là. Et donc, oui, il y a ce côté-là. Sinon, après, j'avoue, quand je fais mes accessoires moi-même, j'aime beaucoup faire du craft, je suis plus craft que tissu. Et du coup, si j'ai ce côté-là, ah ouais, mon arc, il est trop bien là. Donc, j'ai bien réussi cette pièce-là pour une fois. Il y a ce côté satisfaisant en fait d'avoir réussi quelque chose. Et en fait, quand j'achète, c'est pareil, c'est est-ce que ça va bien sur moi ? Et dès que je le mets, même si je l'ai acheté, parce que des fois ce qu'on achète, c'est pas forcément ce qu'on attendait. Et quand on l'achète, il y a ce même ressenti. Au final, c'est OK, là, je suis vraiment tel personnage. Et donc, c'est vraiment la finalité en fait, du truc, moi, qui me plaît.
Ouais, moi c'est comme toi, c'est, enfin, je suis une grande enfant, c'est à partir du moment où je peux jouer avec, ouais. C'est bon. C'est exactement ça. Moi, c'est assez différent, plus que de le porter sur moi ou vraiment de jouer le personnage. Moi, c'est vraiment le voir évoluer petit à petit, surtout sur les cosplays qui sont assez complexes, qui vont avoir beaucoup de pièces différentes. C'est de voir les pièces s'ajouter une à une sur mon mannequin et de voir le costume prendre vie. C'est ça qui apporte ce sentiment de fierté vraiment, parce que bah, on a fait quelque chose de A à Z, où bon, on a peut-être été aidé aussi, mais c'est le voir sortir du 2D, de l'écran, et de le voir arriver sur le physique, là, devant nous, qui, c'est cette chose-là qui me... Qui... Un sentiment d'accomplissement. C'est ça, ouais. Exactement. Et outre justement bah, cette fierté qu'on peut ressentir à l'avoir fait, ou juste de l'acheter, de le porter, et de se dire « waouh, c'est vraiment fait pour moi », est-ce que pour vous, le fait de se cosplayer, ça va plutôt être quelque chose que vous allez envisager comme un défi, peut-être comme une libération? Est-ce qu'il y a enfin, quel on va dire, sous-texte on peut trouver au cosplay? Qu'est-ce que ça fait émaner en vous? Donc là, on arrive au moment où on met les pieds dans le plat et on. Ok. Bah, en fait, moi je suis une femme trans et le cosplay, ça m'a vraiment fait découvrir quelque chose à propos de moi. Enfin, vraiment, j'avais envie de faire un cosplay, mais la première fois que j'ai mis un cosplay féminin, c'était To Be de Nier Automata. Vraiment, c'était une euphorie. Alors, bon, au début, je me suis dit, ouais, le cosplay, c'est vraiment trop bien. Et puis, bon, petit à petit, en fait, j'ai compris d'où venait cette euphorie. Est-ce que ça répond à ta question? Il y avait une autre partie, non? Allez-y, je vous laisse. Ah, oui. Moi, je sais que ça vient du fait que ma mère a travaillé très longtemps à Disney. En fait, depuis l'ouverture jusqu'à 2021. Et du coup, on voit ces enfants en costume, on voit les personnes qui travaillent à Disney faire les mascottes, etc. Et en fait, je sais aujourd'hui que c'est quelque chose que j'aurais toujours voulu faire, rêver de me présenter ou faire de la scène, parce que j'ai fait du théâtre au lycée. Et c'est ce côté roleplay, en fait, qui, je sais, qui m'a le plus... attiré et qui me donnait envie également. Et du coup, ouais, je pense que c'est ce face-à-face avec la fantaisie que j'adore regarder, que j'aimerais entrer dedans, comme tu as dit, genre tu rentres dans la télé. Ça permet en fait de ramener la télé dans le monde réel à la Jumanji. Du coup, je pense que ouais, c'est ce côté-là en fait qui m'a vraiment fait OK, cosplay. Pour moi, au tout début, en tout cas, moi maintenant, parce que ça commence à faire un petit peu le cosplay dans peu de moments, c'était vraiment le fait de pouvoir tester sans crainte, je pense, certains aspects de ma personnalité, notamment quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais très, très mal à l'aise avec ma féminité, et du coup, bah, le cosplay m'a permis... à travers certains personnages qui sont beaucoup plus extravagants, de tester ces choses-là, d'apprendre à me connaître moi-même et d'être plus confiante en moi-même, tout simplement. Je te rejoins totalement sur le côté tester et être plus confiante, parce que pour moi aussi, bah, les conventions, c'est quand même un milieu assez safe, bah, ou en tout cas pour ce que j'avais moi, c'était totalement OK de... cosplayer un personnage féminin en étant un homme, quoi. Ah ouais carrément. Oui, parce qu'effectivement, il y a ce côté un peu expérience dans le cosplay. Vu que sur le principe, c'est vraiment de devenir quelqu'un de totalement différent de qui on est. On peut se permettre certaines choses, on peut tester sans avoir peur, puisque les gens vont juste nous voir comme le personnage. Et effectivement, c'est un bon terrain de jeu pour expérimenter des choses. Ça peut aussi peut-être être une armure quand on n'est pas vraiment, on n'est pas genre je suis pas Axel, je suis tel personnage de tel jeu vidéo.
Est-ce qu'il y a aussi ce côté un peu invincible où un peu comme quand on a bu un petit peu d'alcool et on se permet de faire certaines choses qu'on ne ferait pas autrement, mais bien sûr, à consommer avec modération, je rappelle. c'est l'image qui m'est venue en tête en premier. Y a un petit peu une armure, mais je dirais qu'elle vient du fait que en fait, j'étais plus moi-même en étant en cosplay que ce que je l'étais dans la vie réelle. Du coup, tout simplement, j'étais plus confiante en moi. Et donc plus solide, je dirais. Non. Ouais, par exemple, Ayane, de faire une table ronde en cosplay, est-ce que tu te sens un peu plus à l'aise dans ton costume que si tu étais venue en civil, entre guillemets ? En vrai, non. Non, pas vraiment. C'est juste que table ronde cosplay, je me suis dit, je suis en cosplay. C'est la thématique. Ouais, okay. Ouais, c'est tout simplement. C'est juste pour ça. Par contre, j'avoue que le côté confort, je me suis dit, je vais prendre un truc confortable. Ouais. Pour être à l'aise, c'est sûr. Exactement. Parce que souvent, le cosplay, on est tellement dans le paroxysme, entre guillemets, du folklore. Je vais faire un truc de ouf et tout, une princesse avec quatre couches, une armure et tout. Et on oublie que on est des êtres humains et que c'est cool. Hein, il bouge vite, le gars, avec ses talons et son armure. Mais moi, ça va pas être la même chose, en fait. Et on oublie souvent le confort. Mais là, je me suis dit... Un truc confortable. Et je ne sais pas si vous trois, vous avez déjà fait justement des costumes comme ça, avec des accessoires assez massifs ou difficiles à porter. Ça vous est déjà arrivé ? Oui. Oui. mon dernier cosplay, que j'ai fait du coup pour la finale de la Coupe de France, il ne paie pas de mine comme ça, ça a l'air d'être un pirate, mais vu qu'il y a beaucoup de pièces en cuir, il pèse 8 kilos. À la fin de la journée, on est fatigué. Mais est-ce que justement, tu aurais plutôt tendance à te dire, à vouloir peut-être ne pas t'écouter et à continuer ta journée avec tout cet équipement sur toi ? Ou est-ce que tu arrives à faire la part des choses et à te dire, bon, je peux enlever cette partie-là, mon cosplay ne sera pas tout à fait comme je voulais, mais au moins je vais me sentir plutôt confortable ? Quand j'étais plus jeune, donc jusqu'à début de vingtaine, c'était le costume, c'est le costume. Et puis on vieillit, on se fatigue et on va pas si tôt. Et puis surtout on apprend à prendre une certaine distance par rapport à l'image de référence, parce que d'une certaine manière, tant qu'il y a certaines pièces clés, on reconnaît le personnage, quoi. Oui. Vas-y. Moi aussi c'est pareil. Au début c'était vraiment le cosplay, et maintenant s'il manque une pièce, tant pis. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que justement mon cosplay de Toubi, qui était le tout premier que j'ai fait, donc Toubi, elle a un bandeau noir, vraiment opaque, plus une perruque où il y a la moitié de son visage qui est cachée. Alors du coup, au début de la journée, vraiment, je ne voyais rien. Je voyais pas où j'allais, je rentrais dans les gens. Mais notre cerveau a une capacité d'adaptation phénoménale. À la fin de la journée, je me rappelais plus que j'avais le bandeau et vraiment, je voyais super bien. C'est... Ça me fume parce que j'ai fait la version, donc j'ai fait Toupi, qui est en fait une version alternative de Toubi qui a été créée pour Soul Calibur 6 à la base. Et en fait c'est Toubi avec des vêtements totalement blancs, donc elle est toute en blanc, elle a les cheveux noirs et elle est noire. Voilà. Et le créateur avait dit, je crée cette version parce que à la base elle devait être blanche. Il a dit non, blanc sur blanc c'est moche, il faut qu'elle soit noire. Et donc du coup j'ai fait c'est cool. Et il a dit ouais, j'aimerais bien qu'il y ait plein de cosplayers noirs qui fassent ce cosplay. Du coup je l'ai fait aussi. Et pour en revenir à Tatsubi, ça m'a fait rire parce que moi j'ai essayé le bandeau, ça m'a saoulé au bout de 5 minutes parce que je voyais que dalle et j'ai dit non, j'enlève le bandeau, je m'en fous, c'est Toubi. J'ai le reste qui fait que ça, il y a l'identité du personnage, quoi. Oui, vraiment, c'est parce que j'étais euphorique de porter ce cosplay que vraiment j'ai tenu, parce que oui, c'est long, mais on est quant à ça. Ouais, mais je peux comprendre parce que j'ai la même, par exemple, quand je porte mes robes de princesse, que ce soit des princesses, disons, occidentales, ou même en ce moment, je fais beaucoup de Hanfu, donc c'est des tenues traditionnelles chinoises. On dirait pas comme ça, on a l'impression que c'est juste un bout de tissu. Qui flotte. Non, il y a minimum 3 couches, minimum. Voire, moi j'en avais 5 la première fois et j'ai fait. En fait, je suis fatiguée, hein, c'est lourd, 5 couches de tissu. Et du coup, oui, si ça se voit pas, au final j'enlève une couche et puis basta, je mets un jupon pour gonfler comme c'était censé gonfler. Et puis,
Mais c'est vrai qu'avant, quand je venais de cosplay de commencer, c'était non, il faut absolument que ce truc ressemble à ça, que je porte tel manteau en cuir alors qu'il fait 40 degrés. C'est fini ça. Bon, peut-être que j'anticipe, je ne veux pas marcher sur tes plates-bandes, mais pour moi, c'est genre vraiment un reflet de notre société. Genre, il faut faire plein d'efforts pour être belle. Enfin, vraiment, le cosplay s'est presque exacerbé à quel point on en arrive à des trucs impossibles, quoi. Je suis d'accord. C'est vraiment genre pousser nos limites, alors que, mais il n'y a pas besoin, c'est pas censé être du fun. Oui, mais non, je veux être comme ça, parce que comme ça, les gens me voient comme ça. Mais non, à la base, c'était censé être du fun. Mais bon, c'est vrai que oui, des fois, on oublie. On arrive à oublier certaines fois ce côté-là, en fait. Et on en revient justement à la société, ouais. C'est vrai. Et du coup, cette exigence que vous avez envers vous-même, c'est plutôt du coup, par rapport à la communauté, vous ne voulez pas décevoir en portant quelque chose où il manque une pièce ? Est-ce que c'est plutôt par rapport à vous, parce que vous voulez faire bonne impression ? Moi, je sais qu'au début, c'était parce qu'en fait, quand je suis rentrée dans le cosplay, les gens me disaient, il faut absolument que tu sois comme ça. Et du coup, je me disais, ok, je viens de rentrer dedans, eux, ils savent, moi, je ne sais pas, il faut que je sois comme ça. Petit à petit, ça a été à cause du racisme. Parce qu'en fait, le fait que je sois noire et que je fasse des personnages blancs, c'était, tu ressembles pas du tout à machin. Donc il fallait absolument que j'aie tous les éléments, sinon j'allais pas ressembler à machin. Ce qui en soi faux, mais quand tu viens de rentrer et que tu as ce trauma-là, en fait, qui te tape dans la figure, tu as ce côté justement, je veux mettre mon armure, il faut que je sois comme ça. Et en fait, aujourd'hui, tout ça, ça me passe outre et je fais ce que je veux, en fait. Je porte le cosplay pour moi, pas pour ta... Donc, non. Si je veux que tel tissu il soit comme ça, je ferai en sorte qu'il soit comme ça, plutôt que comme dans l'œuvre sur lequel je me suis inspirée, parce que je préfère. Donc, non. Maintenant, je commence à vraiment me calmer sur les éléments, sur effectivement, sur qu'est-ce qui ressemble à quoi. Tant que, comme l'a dit Nordi, tant qu'il y a la pièce maîtresse qui fait que on reconnaît le personnage, le reste, on s'en fiche un peu, quoi, en soi. Moi, quand je suis rentrée dans le cosplay, on m'a rien dit, mais en fait, pareil, j'ai compris qu'il fallait être parfaite, parce que moi, c'était surtout à travers les réseaux sociaux et Insta. Tu vois que tout le temps des cosplayeuses... parfaite, en plus photoshopée et tout. C'est ça le truc en plus. Mais en fait, là, ce que je dis, c'est. Limite, je suis pas obligée de parler du cosplay pour ça, quoi. C'est comme ça même dans la société. Ouais. C'est ça, ouais. C'est la même pression qu'on se met parce que, genre, être une femme, faut être parfaite, quoi. C'est un peu une injonction, c'est-à-dire que on n'est pas obligé, mais le fait qu'on le voit tout le temps, on l'imprime inconsciemment, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est quelque chose qui est inconscient, si on ne l'a pas volontairement déconstruit. Une position un peu différente des femmes cisgenres, parce que comme moi la féminité c'est arrivé un peu plus tard dans ma vie, c'est vrai que j'ai tendance à plus réfléchir des trucs que peut-être vous avez reçus depuis votre enfance, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé Instagram pour les cosplays, il m'a pas fallu longtemps avant de me dire mais attends, il y a quand même un problème là sur la représentation. J'ai réussi à pas trop être une éponge et trop m'abreuver de ces injonctions, en fait. Je pense que pour toi aussi, Ayane, c'est un peu différent, notamment quand tu es une femme de couleur.
personnellement mal vécu. Ça n'a jamais été dans mes priorités. Mais c'est quelque chose qui a été courant. D'autres cosplayeuses qui ont eu beaucoup de mal à se lancer parce que même enfant, elles voulaient être blanches, quoi, tout simplement. Et donc, du coup, bah, c'est ce côté féminin. Vraie femme noire, c'était une femme qui a un teint clair, qui a les cheveux lisses, qui a une forte poitrine, qui a des fesses rebondies. Je suis absolument pas tout ça depuis le départ, donc je me suis effacée cette image de la femme parfaite qu'il faut être. Et du coup, bah, je l'ai entre guillemets jamais reproduit dans le cosplay. Il y a même quand c'est des personnages qui ont des fortes poitrines. Je ne me suis jamais rajouté vraiment de... Parce que ça existe, des prothèses pour faire des fortes poitrines, etc. Non, je suis entre guillemets plate, je reste plate. Et je me trouve jolie comme ça. Donc, Mais effectivement, moi, j'ai connu des gens qui, ouais, elles ont eu du mal, et elles ont encore du mal à se mettre dedans, à se lancer, parce qu'elles sont... Elles sont pas assez féminines, ou... le critère de féminité entre guillemets est trop poussé pour elles, enfin qui leur correspond pas en fait. Et du coup, bah, elles se disent, bah, ça marchera pas, j'arriverai pas parce que je ne respecte pas ces critères. Donc, Et c'est d'autant plus fort dans la sphère du cosplay, ou même j'ai envie de dire du domaine de l'influence, quand on se met en avant sur les réseaux sociaux tout de suite, quand on occupe une place dans l'espace public. Bah, on est plus visible et bah, forcément, ça va attirer des commentaires sous les posts, peut-être même aussi des réactions en convention, par exemple. Et ça nous amène sur le sujet aussi. Tu parlais de conventions safe, de ton expérience des conventions safe, mais il y a aussi bah, des traitements, des gens qui ont des différences de traitement suivant à qui ils s'adressent. Il y a des comportements familiers, pour dire un euphémisme, et parfois un peu... plus violent. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ça, sur ces débordements, je ne sais pas comment qualifier ça, ces manques de respect. Est-ce que comme de la même manière que vous avez réussi à vous faire passer en premier en enlevant des pièces de costume parce que bah, c'était pas vivable à l'instant T, est-ce que vous avez réussi aussi à vous prioriser en excluant les personnes toxiques de vos cercles, disant bah attention, cette personne-là, il vaut mieux pas l'inviter parce que elle a eu un comportement déplacé, etc. Je peux commencer avec une petite anecdote. C'est un truc qui m'est arrivé. J'étais à une convention et un mec m'aborde, vraiment hyper familier. Enfin, en gros, il voulait mon numéro, quoi. Il commence à me prendre par le cou et tout. Il me dit, oh, vas-y, on fait un selfie et tout, t'es super jolie. Je réponds, j'attends un petit peu qu'il se mette en position et je lui réponds avec ma grosse voix bien masculine, ouais, pas de problème. et vraiment, il a sursauté en mode, oh merde, en fait, c'est un mec. Et on n'a pas fait de selfie, quoi. Moi, je dois dire que ça m'a... Enfin, comme à ce moment-là, j'étais confiante en moi et en fait, ça m'a juste fait rigoler de voir à quel point en fait, c'est lui qui était bête. Il était venu me parler pour me pécho, quoi. Alors que... Enfin, on s'en fout, on n'était pas là pour ça. Je dirais que, en général... Comme tu disais, c'est plutôt un endroit safe, les conventions. Les gens se permettent moins en face à face, se permettent moins de choses.
J'ai eu le côté, bah, comme toi, une personne qui vient, qui, vas-y, viens, on fait une photo, machin, et en fait, je te connais pas, t'es qui, enfin, un peu de tenue. J'ai ça, j'ai eu aussi le fait que j'étais en train de manger avec des amis. Ouais, mais je suis un personnage connu. Ok, on peut prendre une photo, tu vois pas que je mange. Ouais, mais c'est bon, tu pourrais faire un effort. Ok. Juste que je mange, donc t'attends que je finisse de manger et après on fait ce que tu, enfin on fait des photos comme tu veux, tu vois. Donc ouais, j'ai un peu ce côté-là. Du coup, le côté safe de la commu, effectivement, je l'ai connu au tout début et c'est devenu très vite pour moi quelque chose où je suis obligée de me protéger. Pour moi, en fait, c'est pas si safe que ça, en fait. Et aujourd'hui, quand il y a des gens qui se lancent dans le cosplay, je n'hésite pas à le dire dès le début, ce n'est pas un monde de bisounours, c'est pas safe. Déjà, quand tu es une femme, faut savoir qu'en face, il y a souvent, le public souvent, très souvent, c'est des mecs. C'est des mecs cisgenres qui, soit sont frustrés de la vie, ils oublient que tu étais... t'es un être humain et que du coup, bah, pour eux, t'es juste un objet, t'es juste quelqu'un qui... de la chair fraîche. Enfin, c'est horrible à dire, mais moi, j'ai eu ça, j'ai eu cette expérience-là où je faisais Tarja de Fire Emblem, qui n'est pas très vêtue, on va pas se mentir. Et le photographe est venu en mode, je peux te prendre en photo. J'étais avec ma partenaire qui était en mec. Alors déjà, le mec... des angles pas ouf, quoi. C'est-à-dire qu'il prenait en plongée pour voir ma poitrine, en contre-plongée, mais vraiment genre au niveau de la culotte. Enfin, c'est des angles genre what the fuck, quoi. Et le pire qu'il m'a dit comme commentaire, c'était ouais, mais pourquoi tu souris pas? Je dis bah parce que Tarja, elle est toujours vénère, en fait. Si tu connais pas le perso, bah tais-toi. Et ouais, mais tu serais plus jolie si tu souriais. Bon, en fait, je fais pas le personnage pour toi, frérot. Voilà. Donc j'ai eu ça. J'ai aussi subi, bah, comme j'avais dit, j'ai subi beaucoup de racisme. Par exemple, je prends toujours cet exemple-là parce que c'est celui qui m'a le plus choqué. J'adore Sailor Moon. Et le premier personnage de Sailor Moon que je voulais faire, parce que c'est mon personnage préféré, c'est Sailor Saturn, une gamine qui détruit le monde ou qui le renaît. J'adore. J'ai dit, on était dans tout un groupe d'amis, et j'ai dit, venez, on fait un groupe Sailor Moon. Ah ouais, trop bien. Ok, je peux faire Sailor Saturn. Pourquoi tu veux faire Sailor Saturn? Elle est blanche. Il faut que tu fasses Pluton. Pluton, elle est noire. Ouais, mais je n'aime pas Pluton. Ouais, mais je m'en fous, elle est noire. Et du coup, bah, rien que ça, ça m'a refermé sur moi-même pendant un temps. J'ai refusé de faire des personnages autres que personnages noirs parce que j'avais plus envie de ce commentaire, en fait. Du coup, j'ai eu ça. J'ai ma petite sœur qui avait 10 ans, qui adore Cendrillon, on a réussi à avoir un costume de Cendrillon à Disney, on lui a mis, elle est partie à Japan Expo, une dame toute gentille qui fait « Oh, tu es magnifique, est-ce que je peux te prendre en photo ?» Et je lui dis « Oui, bien sûr, allez-y. » Donc oui, elle est prise en photo. Et une autre dame arrive derrière et elle dit « Oh, elle est jolie Cendrillon, dommage qu'elle soit noire. » Et là, j'ai fait est-ce qu'elle a entendu? Non, elle n'a pas entendu. Ok. Bon, elle est contente, elle a sa photo, c'est cool. Mais effectivement, moi, je trouve que la commu cosplay, que ce soit des gens extérieurs ou des gens en interne, c'est pas très safe. Ça peut l'être quand tu trouves les bonnes personnes, mais il ne faut pas oublier que c'est des êtres humains en face. Et donc, du coup, ils ont des comportements d'êtres humains. Et ça peut devenir très vite toxique, quoi. Donc, c'est pour ça que, oui, le côté safe du cosplay, moi, je fais en sorte, enfin, dans ma tête, je me dis, il n'existe pas. Comme ça, en fait, je suis déjà protégée, en fait. Je comprends. C'est vrai que j'ai tendance à moi-même être une bisounours. Et effectivement, moi aussi, j'écarte les gens toxiques, en fait. Mais je préfère garder espoir et me dire, non, mais il y a des gens bien aussi. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais oui. Nordic, que je ne connaissais pas avant, une très bonne amie à moi maintenant. Et ça reste pour moi, une personne safe, tu vois, ce que je veux dire. Et puis c'est pareil sur les réseaux, on voit tout le temps, postez machin si vous êtes safe. Non, le mot safe, c'est différent par rapport à qui l'entend et qui le fait.
Et du coup, pour moi, Nerdy est une personne safe. Pour quelqu'un d'autre, ça va peut-être pas l'être. Donc ouais, safe, c'est un beau gros mot que je n'aime pas utiliser. Je pense qu'il y a aussi... au terme plus large, qu'on va se faire et qu'on va vraiment développer, si je puis utiliser ce mot, pour vraiment s'accorder au niveau des valeurs, des échanges et ce genre de choses. Oui, parce qu'on a peut-être tendance à premier abord à l'oublier, vu que c'est un hobby de niche. Et en ayant moi-même plein d'hobbies de niche, on a tendance à se dire, on a soi-même parfois quelques clichés en se disant, là, on se sent peut-être plus à l'aise que dans un autre, etc. Mais au final, ça reste un reflet de ce qu'on connaît déjà dans la société. Et oui, quand on est une femme, on est objectifiée. Et du coup, le fait de porter, d'être en cosplay, il y a ce côté-là, on est toujours une femme et on va nous déshumaniser, par exemple. Alors si on est une femme noire, encore plus, c'est un degré au-dessus, etc. Et ainsi de suite. Et forcément, quand on est au contact des gens, ça se répercute. Mais visiblement, ça ne vous a pas découragé de continuer le cosplay. Non. Non, pas du tout. Non, du tout. Parce que je me dis, je fais ça pour moi, en vrai. C'est vrai que j'ai beaucoup ralenti, parce que s'il y a cette toxicité, parce que le moyen financier, on ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas pour autant, genre ma liste de cosplay, elle est toujours aussi longue qu'il y a 10 ans. Quoi. j'ai toujours envie de faire plein de trucs. Parce que j'ai encore envie de me dépasser, parce que j'ai encore envie d'incarner tel et tel personnage. Et je me dis, j'aurai peut-être 40 ans dans quelques années. Et ok, je continuerai parce que j'ai envie. Donc, voilà. C'est un exutoire créatif pour moi avant tout. Donc tant que j'aurai envie d'exercer de la créativité d'une manière ou d'une autre, je pense que, comme tu dis, peut-être ralentir à un moment, mais il y a ce côté théâtral aussi. C'est aussi une manière de tester, d'expérimenter, comme on disait au début, de vraiment se faire plaisir, de laisser de côté un petit peu les problèmes qu'on peut avoir à la maison et de juste profiter comme quand on était enfant et d'avoir une journée vraiment tranquille en cosplay. J'aime trop. C'est aussi un moyen de se connecter un peu à d'autres personnes qui sont aussi venues à la convention et qui aiment les mêmes choses que nous et qu'on ne connaît pas forcément, mais avec qui on peut avoir, des délires poussé sur tel ou tel manga de niche que personne ne connaît, quoi. Bon, je vais prendre l'attaque des titans comme c'est pas vraiment de niche, mais puisque j'avais fait un concours de cosplay où j'avais fait un show de l'attaque des titans, et je pense que les gens de la salle qui ne connaissaient pas vraiment ont rien compris. Par contre, les gens qui connaissaient ont dû se marrer, mais vraiment, j'ai 3-4 personnes après qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Ah, c'était beaucoup trop drôle ». Le pitch, c'était Annie en titan qui avait un crush sur Armin et qui, c'est pour ça qu'elle le poursuivait. T'as raison, il y a ce côté-là quand même, malgré tous les côtés. J'aime trop être positive. Oui. Ouais, non, mais c'est très bien. Et oui, effectivement, on ne va pas se mentir, ça reste, comme on dit, une communauté. Donc, des gens qui se rencontrent, c'est des rencontres, du partage. Et c'est tout aussi bien. Il y a aussi le partage des anciens et des nouveaux, par exemple, qui est aussi tout aussi intéressant. Et comme tu dis, le rassemblement de personnes que tu n'aurais pas forcément connues si tu ne faisais pas ça, alors que vous avez les mêmes délires, vous avez la même passion, ou même derrière, tu découvres que « Ah, mais attends, tu ne fais pas que du cosplay, tu fais ça aussi. Ah ouais, moi aussi. Ah, trop bien. Ah, viens, on fait une partie de machin. Ou viens, on va aller faire, de l'escalade. » Et c'est des trucs qu'en fait,
encore, comme je disais tout à l'heure, le côté humain, en fait. On reste des êtres humains, donc il y a ce partage, cette joie de se rassembler, de faire des pique-niques, de s'amuser pendant une journée, plusieurs jours, une semaine. Même pendant les shootings, moi, ça m'arrive tout le temps. Entre deux photos, le photographe qui fait un truc, qui fait « mince, c'était pas la bonne lumière », et tu regardes la photo, t'es là, t'es mort de rire. Enfin, vraiment, c'est ce côté un peu théâtral, que, comme t'as dit, Nardi, qui est cool aussi. Ouais, ouais, et puis, finalement, tu te mets à rencontrer des... Alors que le cosplay, c'est vrai que c'est pas mal tourné sur l'apparence, tu te mets à rencontrer des gens sur des critères totalement différents, du genre, on aime les mêmes trucs, quoi. Exactement ça. Genre, moi, j'ai plein de potes. Alors, je sais que ça a été difficile pour certains d'entre eux, mais j'ai des potes qui sont plus size. Donc, ils sont, les plus size, c'est les personnes qui sont fortes, voire rondes. Et en fait, moi, au début, j'étais mal à l'aise parce que je me disais, ils vont toujours avoir ce complexe d'infériorité, entre guillemets, face à moi. Et en fait, pas du tout, ils s'en fichent. Ils sont en mode, on aime la même chose aussi. Ah, j'aimerais bien faire ça. T'es sûr? Ouais, je peux faire ça? Ouais, ce serait trop bien, faut qu'on soit ensemble. Et j'adore ça, en fait. T'oublies tout. Tu te dis, on s'en fout, il y a ça, et bam, on fait. Et ouais, effectivement, c'est une partie cool du cosplay que j'aime bien. Et qui est plus difficile, on va dire, de mettre en avant dans le quotidien, en dehors du cosplay. Je suis d'accord. Bah, tout dépend des personnes dont on s'entoure. Tout simplement. C'est ça, d'où exactement. L'importance de prendre des actions pour créer des événements où tout le monde se sent inclus, invité, à l'aise, etc. Et d'être vigilant les uns pour les autres. Et après, il y a aussi eu des... Je pense que vous qui faites du cosplay depuis au moins 10 ans, certains d'entre vous, vous avez peut-être... Je ne sais pas exactement si vous avez vu des répercussions, par exemple, pour des mouvements... visant à protéger les cosplayers, par exemple, cosplay is not consent, donc le cosplay ne donne pas le consentement, à savoir, c'est pas parce qu'une personne porte un cosplay qu'on va se permettre de toucher ses accessoires, lui toucher ses cheveux, sa perruque, et on va lui demander, bien sûr, si on peut lui prendre une photo avant de la prendre en photo. Est-ce que ça, vous avez vu un changement une fois que ce mouvement a un peu été créé? Est-ce que vous avez peut-être vu aussi que ça a fait des émules pour d'autres, par exemple pour les personnes racisées? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de similaire aussi? J'avoue que je le vois. Le cosplay is not consent, ça je le vois. C'est-à-dire qu'en convention, dès que, par exemple, je ne sais pas, il y a deux personnes qui sont en train de shoot, il y a un mec qui sort de nulle part et qui est au loin comme ça, en train de prendre tel angle, il y en a toujours un qui est en admiration devant le shoot qui va attendre 2 secondes et il va s'occuper de la personne pendant que les autres sont occupés. Donc effectivement, ça je le vois de plus en plus. Pour ce qui est, parce que je suis concernée, pour ce qui est du racisme, il y a quand même une évolution. Même si je sens une dégradation, on va pas se mentir, sur les réseaux, je vois quand même une amélioration dans le sens où, moi par exemple, avant quand je le vivais en live, il y avait personne pour prendre ma défense. C'était ma pomme et tant pis pour toi. Et aujourd'hui, quand soit je subis en face... Hop, 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 toi, ferme ta bouche, tu sais pas, qu'est-ce que tu parles, tu dis des bêtises, non, tu la respectes pas, ça reste un être humain, etc. Alors qu'avant, c'était ceux qui m'attaquaient, et les autres qui regardaient. Et ça peut poser un coup. Et oui, effectivement, petit à petit, surtout depuis 2020, depuis Black Lives Matter, je le vois. Mais c'est vrai qu'avant, avant, c'était pas ça. Pour la partie cosplay is not consent, petit à petit, oui, on voit une...
attendre de mes amies, de ce qu'elles vont vivre, de ce qu'elles vont me montrer, qui va me choquer et, ou alors justement me rendre contente parce que bah, ça s'améliore. Voilà. Mais sinon, en tant que moi, personne, de ce côté-là, je ne peux pas trop en parler. Puis, oui, rien que personnellement, Cosplay is not consent, ça m'a fait réaliser que oui, en fait, je pouvais dire non. Enfin, dans le sens, si quelqu'un me prend une photo et que je suis déjà en train, enfin, si on est en train de manger ou quoi, genre avant, j'avais peut-être tendance à en faire trop, alors que maintenant je dis juste non, on repasse tout à l'heure. Et ça peut aussi affecter des choses en dehors du cosplay aussi, savoir dire non dans la vie de tous les jours aussi, et tous ces changements qui ont aussi été permis, comme tu disais, Black Lives Matter, des choses de la société ces dernières années, une prise de conscience, même si tu dis ouais, les commentaires se dégradent sur Internet, ça, ouais, ouais. Ça se voit, c'est quantifiable. Malheureusement. C'est vrai qu'avant, les gens n'osaient pas être directs, insulter directement, etc. Et je trouve qu'en ce moment, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de filtre. Ils veulent t'insulter, ils t'insultent. Ils veulent te harceler, ils t'harcèlent. Ils envoient toute ta bande derrière. Enfin, ça peut aller très très loin sur les réseaux et très très vite en plus. Parce que maintenant, c'est ouvert entre guillemets à tout le monde. Et oui, mais par contre, effectivement, dans la vie réelle, ça a un peu reculé. On parlait du fait, tu parlais justement des panels Cosplay is non-consent, etc. Il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très très peu pour le racisme. Mais il commence quand même à y en avoir dans le monde. Et ça, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est vrai que c'est lent, ça devrait aller beaucoup plus vite, c'est vraiment dommage. Mais encore une fois, c'est parce que, enfin, pour avoir bossé là-dedans, je sais que les personnes qui prennent les décisions ne sont pas forcément d'accord. Et ça bloque. Mais du coup, le fait que ça commence un petit peu à se présenter, ouais, c'est plutôt cool. Et effectivement, c'est dû à certains mouvements à côté dans la société de base qui fait que ça augmente dans le cosplay aussi. Car encore une fois, le cosplay, c'est pas dissociable de l'être humain vu qu'on est des êtres humains. Voilà. Oui, faut pas l'oublier. Exactement. Et tout à l'heure, justement, Ayane, tu parlais des personnages. Que les gens au premier abord pouvaient par exemple se dire bah, non, tu as la peau noire, tu vas pas pouvoir incarner tel personnage. Moi je voulais du coup enchaîner sur le thème du blackface qu'on avait aussi abordé à la réunion préparatoire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme blackface, c'est le fait de comment dire, se foncer la peau avec du maquillage pour incarner, enfin pour ressembler à une personne racisée. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive encore en convention ou alors juste dans des photoshoots que vous voyez sur internet, des personnes blanches qui font ce genre de, parce que c'est vraiment c'est rattaché à comment dire, je sais plus à quelle époque, les comédiens qui faisaient une caricature. Il me semble que ça vient de Shakespeare, non? C'est encore plus ancien. C'est très ancien, ça a été très connu dans les années 1800, du coup, parce que le développement de la presse, forcément, et après le développement de la télé au 20e. Après, ça continue toujours, notamment au carnaval de, je crois que c'est Calais. Ah oui, il y a Calais. Il y a Calais. La Belgique aussi. Et donc, du coup, voilà. Ça arrive encore. Dans le cosplay, je pense que ça a eu un gros moment de. Il y a eu beaucoup de. Enfin, il y a eu quelques cas. Il y a eu pas mal de mouvements d'éducation. Je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Ça arrive toujours. Moi, la dernière fois que j'en ai vu, c'était l'année dernière. Je pense que on est de plus en plus éduqués sur le fait que bah, c'est pas forcément très correct comme comportement. Je sais pas ce que toi tu as rajouté. Moi je sais que ouais, ça ralentit. Il y en a toujours énormément. J'en ai vu il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois. Ouais. Le truc c'est qu'en fait les gens réagissent. Donc quand quelqu'un le fait, en fait, elle perd toute crédibilité la plupart du temps. Et du coup, bah, ça fait que soit cette personne va se cacher, va arrêter de le faire,
ou va le faire dans son coin mais va plus le montrer, ou va le montrer que sur un réseau bien caché, bien connu de certains cosplayers. Et du coup, pour les réseaux bien plus gros public, en fait, il le montre pas. Et il y a aussi le fait que en Occident, ça s'est vraiment calmé. C'est encore là, ça s'est calmé. Mais en Asie, c'est une catastrophe. Hein. C'est encore là, c'est encore inclus, parce que pour eux, ils comprennent pas le problème, en fait. Pour moi, entre guillemets, je me dis, ils veulent pas comprendre, parce que c'est pas comme si on leur avait pas dit, comme si les Noirs n'existaient pas là-bas. Mais justement, bah, je vous avais posé la question. Maintenant, je connais la réponse, mais je vais quand même vous reposer la question. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement quel est le problème ? Ce problème-là. Ok. Alors, je le dis de la manière la plus générale qu'on n'arrête pas de dire, que en gros, la couleur de peau, ce n'est pas un déguisement, ce n'est pas du maquillage, c'est l'identité de la personne. Parce que rien que ce que je dis, moi, en tant que femme noire, bah, je suis noire. Même dans le cosplay, je suis noire. Et je ne me vois pas, ce serait ridicule de le faire, parce qu'il y a l'histoire qu'on disait de colorisme, que je disais le fait que plus t'es blanche et plus t'es perfecte. Non, pas du tout. Et du coup, ouais, je ne me vois pas m'éclaircir la peau pour faire un personnage blanc. En fait, ça enlèverait mon identité. Et le fait que quelqu'un se blackface pour ressembler au maximum au personnage et pour, entre guillemets, être noir une fraction de seconde et puis après, ah bah c'est bon, j'enlève ma peau et je redeviens blanche. Mais en fait, tu oublies que derrière cette couleur de peau, il y a tous les problèmes de la société, il y a tous les problèmes qui représentent en fait être cette personne, être, avoir cette couleur de peau. Et du coup, ouais, c'est pour ça que non, le blackface. Oui, c'est ça que j'ai compris en vous posant la question. En fait, c'est tellement chargé chaque aspect de ta vie est chargé de ça, quoi. Et donc, En fait, c'est comme tu dis, c'est chargé. C'est quelque chose que tu vis au quotidien. C'est ça. Qui va et ça a des répercussions pas que sur J'ai eu mon expérience, mais j'ai aussi d'autres amis qui sont soit asiatiques à peau foncée, qui ont eu les mêmes problèmes, ou oui, c'est ça. J'ai eu un ami qui, lui, en fait, bah, du coup, il est asiatique à peau foncée parce qu'il est métisse noir et asiatique, donc il est blasienne. Et on lui a dit une fois, mais frérot, pourquoi tu t'es pas mis de la poudre de riz sur le visage pour paraître blanc ? Enfin, c'est horrible de dire ça, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et j'ai carrément une amie, elle, qui... Enfin, je connais quelqu'un, c'est une connaissance. Elle est asiatique à peau foncée. Elle a fait un personnage de Toho Project, qui, elle, à la base, est blanche. Et parce qu'elle l'a fait avec sa couleur de peau, donc asiatique peau foncée face à des asiatiques à couleur claire, ouais, bah non, en fait, t'es dégueulasse, t'es un monstre. Enfin, elle se reçoit énormément de critiques. Et cette meuf-là, en fait, elle a dû... utiliser donc sa teinte d'hiver, c'est-à-dire peau plus claire, constamment, même en été, pour se montrer à l'écran, parce qu'en fait, elle est tellement trauma qu'elle ne se voit plus mettre sa vraie couleur de peau en fait, à l'écran. Et je trouve ça c'est triste, parce qu'au final, elle, entre guillemets, perd son identité pour plaire aux autres, pour arrêter en fait, d'avoir des critiques. Et c'est horrible. Et enfin, si entre guillemets tout le monde pouvait le faire, on le ferait tous, mais en soi, comme je disais, on perd son identité. Et c'est pas le but. Quand tu fais le cosplay, c'est pour justement retrouver ton identité à travers un personnage qui n'existe pas. Et là, tu le perds au final. Donc,
c'est entre guillemets, je suis désolée de dire ça, mais c'est bête. Voilà. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de rien lâcher. Parce qu'on dit, dans les cas de discrimination, on a souvent la posture de dire c'est à la victime de se cacher ou de changer dans le domaine professionnel, de changer de poste, de changer de travail. Et la personne incriminée, elle va rester dans son coin là où elle était et ne rien changer. Du coup, même dans le cosplay, toujours continuer à ne pas baisser les bras, à se battre. C'est le mot, malheureusement, pour exister, tout simplement. Et donner envie à d'autres personnes comme vous de s'adonner à ses passions. Mine de rien, ça nous amène petit à petit vers une petite conclusion. Si vous aviez quelqu'un devant vous là qui aujourd'hui voulait se lancer dans le cosplay, ça c'est la question à 10 000 euros. Si vous deviez lui donner un ou plusieurs conseils, est-ce que vous mettriez plutôt le positif en avant? Est-ce que vous me donneriez peut-être des mises en garde ou les deux? C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai une jeune fille de 13 ans qui m'a dit, justement, qui m'a posé un peu cette question. Et je lui ai dit, écoute, le cosplay, c'est avant tout du fun. Donc, amuse-toi, éclate-toi, fais-le si tu as envie. Fais qui tu veux, si tu veux. Juste respecte autrui. C'est-à-dire, et là, je lui ai fait comprendre, respecte la couleur de peau d'une personne. Donc, ne te grime pas. Tu peux faire des personnages noirs, il n'y a pas de souci, on s'en fout. Effectivement, il y a des extrémistes qui vont dire « Ouais, non, tu peux pas, gnagnagna. » Mais en vrai, le trois quarts de la commune, on s'en fout. C'est juste, ne mets pas en avant, par exemple, des braids alors que tu es blanche, donc ça appartient, entre guillemets, au noir, donc non. Ne te grime pas parce que, pareil, identité, tu peux le faire. Donc moi, à chaque fois, je leur dis « Vous pouvez commencer par ce que vous voulez. » Juste amusez-vous et respectez autrui. Pour quelqu'un qui commence, je dirais de tenter vraiment ce qui. D'essayer, parce que pour moi, c'est quand même un loisir qui apporte beaucoup de joie, qui m'a permis de trouver une énorme confiance en moi que je n'avais pas avant. Qui permet vraiment de se dépasser d'une certaine manière, d'apprendre à résoudre des problèmes, bizarrement. C'est des choses qu'on peut apporter dans d'autres domaines de notre vie et qui fait qu'on, pour moi, je pense qu'on en sort grandi. Ouais, moi je dirais aussi, fais ce que tu as envie, quoi. Si y a peut-être 9 personnes dans la salle qui vont pas aimer ou être neutre, quoi. Mais ce qui compte, c'est de trouver la personne qui, justement, kiffe la même chose que toi et avec qui tu vas pouvoir t'amuser, quoi. C'est ça, le fun. Ouais, ça résume bien l'essence même du cosplay, ça on l'aura compris. S'amuser, être soi-même, envers et contre tout, même s'il y a encore des choses à améliorer. C'est à peu près comme ça qu'on peut résumer la table ronde. Je pense qu'on peut passer un peu au moment des questions. Je ne sais pas, il y a un peu plus de personnes qu'au début. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public? Oh, c'est timide. Oh, on se faisait une joie de répondre. Bon. Eh bien, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire? Ah, attends, je vais te donner le micro. Yeah. Comment est-ce que vous conservez en quelque sorte vos cosplays avec les perruques? Comment, pardon? J'ai pas bien compris. Comment est-ce que vous conservez vos cosplays avec les perruques? Là, toi, ce sera complètement différent de moi.
Donc si j'ai de la place à perruque, elle est sur une tête à perruque, mais c'est extrêmement rare. J'ai très très peu de place en vrai. Donc pareil, je mets dans des sacs. Et bah, par exemple, la perruque que je porte aujourd'hui, il y a des morceaux qui sont détachables. Donc je fais en sorte de les détacher avant de les ranger dans le sac. Ou pour les perruques longues, parce qu'on ne va pas se mentir, les perruques longues, ça s'en mêle très très vite. Je fais une natte et ensuite je mets dans le sac pour que ça puisse se conserver. Donc, voilà. En général, je dirais que ouais, c'est une vraie question et je l'ai compris maintenant. Donc, au début de la conception du cosplay, je me dis comment je vais le stocker, comment je vais le laver, est-ce que ça va résister à la convention. Bon, voilà, on trouve des solutions, mais faut y penser à l'avance. Quoi. C'est clair. C'est vrai que moi, j'ai fait plein de cosplays où j'ai pas pensé au côté rangement. Et je suis là, genre, oh, je mets ça où, je mets ça comment, genre. Bah, la version de Shibiusa, la vraie version que j'avais en princesse, a un énorme nœud dans le dos qui ressemble à un coussin de plus de 60 cm. Donc ranger ça, je vous l'avoue, c'est galère. Je galère à chaque fois. Donc, effectivement, c'est toujours le... Ah mince, comment j'en change ça. Voilà. Mon appart, c'est 50% mes affaires de ma vie et 50% de cosplay. C'est le BA d'un cosplayer, c'est comme vivre avec quelqu'un qui ne fait pas de cosplay. Ça aussi, c'est très drôle. Parce que tu prends 80% de l'appart, ou 60% c'est tes cosplays, le reste c'est ta vie, et puis t'as l'autre qui est juste le 20% qui reste. T'es là en mode, ah désolé, je prends beaucoup de place. Donc oui. Ah, des questions. On va commencer par... Combien de temps ça prend de faire un cosplay ? Alors, ça va dépendre de la complexité, s'il est dur à faire ou pas, s'il a beaucoup d'éléments différents. Les tenues qui paraissent les plus simples sont en fait les plus longues. C'est horrible. Parce qu'il y a le petit détail où, ah mais non, mais il faut d'abord coudre telle partie avant telle partie. Et parfois on se trompe, donc il faut recommencer, ça prend plus de temps. Et, ouais. Et moi par exemple, il y a un cosplay que j'ai mis, on va dire, je sais pas, plusieurs mois à faire, comme il y en a un, j'ai fait en 24 heures. Donc, ça dépend vraiment, vraiment du cosplay. Je sais pas pour toi du coup. Une fois que j'ai passé 200 heures à jouer au jeu, en fait, je peux passer une centaine d'heures à faire le cosplay. Finalement, en proportion, c'est pas tant que ça, quoi. Bonjour, merci pour la discussion. C'était super intéressant. Comme vous parliez du fait, ça fait depuis quelques années que le cosplay s'est un peu généralisé, qu'il y a beaucoup plus de monde. Et comme vous disiez, avec le fait des réseaux sociaux, on va beaucoup se comparer. Souvent, les gros cosplayers qui ont des fois des millions de followers. Et pour des jeunes qui commencent et qui, avec le fait de se dire « Oh, faut que je fasse un cosplay qui est assez compliqué parce que... faut pas que ça soit trop simple, parce que ça doit plaire, parce que maintenant, on voit des trucs incroyablement complexes un peu partout. Il peut avoir, comme vous disiez, le fait du temps, de l'argent, et comme ça. Et pour quelqu'un qui commence, surtout comme on dit, quand on commence une nouvelle activité, une nouvelle compétence, on n'a pas la notion on a une vision extérieure, mais on n'a pas tout le background où on sait « Ah, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça ». Est-ce que vous auriez des conseils pour ceux qui se lancent, peut-être un peu pour les aider ils sont dans cette mare d'inconnu, peut-être des petits trucs qui pourraient aider à, on va dire, leur faciliter un peu l'approche, parce que des fois, ça peut être effrayant de se dire « Il y a tellement de choses à prendre en compte ». Moi, personnellement, je dirais à quelqu'un comme ça qui me dise « j'ose pas commencer, tout le monde est trop bon », de ne pas oublier que...
sur les réseaux sociaux. Vraiment, les retours que j'ai, c'est que en convention, quoi. Et après, je trouve que pour répondre à votre question, il y a différents courants de cosplayers, en fait. Chacun, ça dépend ce qu'on aime, en fait. Moi, j'aime beaucoup le faire moi-même. Donc forcément, je suis plus proche du courant qui dit qu'il faut faire son cosplay soi-même et vraiment de A à Z, quoi. Bon, même si je le fais beaucoup avec ma maman, mais ça me dérange pas du tout. Après, il y a d'autres courants qui sont plus... par exemple, sur TikTok, il y a beaucoup de... comment ça s'appelle ? Je suis trop... Un peu du modeling, plutôt. Ouais, on va acheter, enfin, on peut acheter son costume si on a vraiment pas envie de le faire. Ouais, acheter, ça pose pas du tout problème. Le but du truc, c'est faire une vidéo drôle ou stylée. Ouais. Ça dépend juste ce qu'on aime, quoi. Exactement. Je trouve que ça, en fait, ça dépend vraiment des gens, de ce que les gens recherchent. Moi, souvent, je prends mon exemple. Je dis souvent que, bah, écoute, mon premier cosplay, c'était mes vrais cheveux. Tout simplement, où on a rajouté une extension à l'arrière pour faire une queue de cheval. Et j'ai acheté un haut chez Pimki, j'ai fait un papillon en papier, papier mâché, enfin c'était une feuille conson, pardon, une feuille conson avec de l'encre, et ça faisait un papillon sur le torse, parce que j'avais fait Yorichi de Bleach, qui est en fait un seau sur le torse, et on a utilisé une feuille conson, on l'a mis sur mon torse, on a mis une écharpe autour de ma taille, une écharpe autour du cou, ça faisait le cosplay. Et pourtant, je suis arrivée en convention. Ton cosplay est génial, t'as dû mettre du temps à le faire. Non, je suis allée en magasin et j'ai pris d'autres trucs et je l'ai mis. Enfin, donc, faut pas hésiter à se lancer et à prendre ce qu'on a sous la main. Parce que très souvent, on oublie qu'on commence comme ça avec des trucs qui sont sous la main. J'ai fait une fois une hache de 2 mètres. C'était le manche, c'était une tringle à rideau. Le pied, c'était un pied de lit. Le reste c'était du bois, mais pied de lit, tringle à rideau. Je suis arrivée à Castorama, j'ai montré le dessin, j'ai fait excusez-moi, ça vous fait penser à quoi ça? Je sais pas, un pied de lit, merci. Et je suis partie rayon pied de lit pour aller prendre un pied de lit. Et après, l'assemblage a fait que ça a fait une arme. Donc oui, faut pas hésiter. Tout à l'heure, on nous a demandé j'ai besoin de faire un casque, comment je fais? Alors nous, on a l'habitude, on se fait tu prends de l'Evafoam. Ah non, attends. T'as peut-être pas d'argent. Prends du carton, tu prends le carton, tu fais ça, tu le peins, ça fait un truc. On oublie parfois que des choses très très simples peuvent servir à faire un cosplay, en fait. Vu qu'à la base, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Donc ouais, faut pas, pour ceux qui veulent commencer, qui ont peur du moyen financier, parce qu'effectivement, c'est un prix, même si je trouve que c'est toujours moins cher qu'avant, vu qu'avant, les perruques, même bas de gamme, c'était 60 balles. Oui, on peut avoir facilement des choses. Et puis, il y a des gens qui revendent à petit prix aussi sur les réseaux, sur Vinted, des trucs comme ça. Et ça aussi, ça peut aider à commencer par un tout petit truc et se dire après, bah, quand j'aurai le temps, quand j'aurai la facilité d'eux, j'irai plus loin. Mais pour l'instant, je voudrais commencer, me lancer dedans. Je vais commencer par petit. Et c'est tout aussi bien parce qu'au final, comme tu as dit avec Amoui qui... oh mon Dieu, à telle année, j'avais fait juste ce mug et aujourd'hui, je fais un truc avec une armure de machin. Ouais, bah, elle a pas oublié qu'il y a quelques années, elle faisait ça comme ça. Avec. Pour préciser, parce que vous la connaissez peut-être pas, Kamui Cosplay, c'est... bien le rappeler que je suis une cosplayeuse moyenne, on a l'impression que je fais des trucs de ouf, mais en fait, non, je prends juste deux morceaux de tissu, je les lis, et puis fin. Et mes premiers cosplays, bah, ça a été un pyjama, un machin, j'ai déchiré, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et... ouais, donc, faut pas hésiter. Comme on disait tout à l'heure, le plus important, c'est de s'amuser. Et donc, du coup, effectivement, je trouve que les réseaux, je trouve ce côté un peu trop perfectionniste des réseaux fait qu'il y en a beaucoup qui se freinent. Et j'avais aussi ce problème d'ailleurs au début parce que je suivais beaucoup au début de ma carrière, je suivais beaucoup de cosplayers asiatiques et je me disais mais c'est pas possible, ton truc il est parfait, comment ça se fait machin, jusqu'à ce que je réalise qu'en fait le trois quarts c'était du Photoshop. Et là j'ai fait ah, ou le trois quarts c'est acheté, je fais ah,
Ah bah ça s'explique. Ah bah d'accord. Ah bon bah je vais faire avec les moyens du bord et au final bah je me plais plus parce que j'ai oublié que machin est parfait. La perfection n'existe pas cordialement. Donc oui faut avoir ce courage d'oublier la perfection pour juste être soi-même et faire le truc. Et aujourd'hui il y a plein de tutoriels de tous les niveaux pour faire du cosplay. Donc, faut pas hésiter à aller sur YouTube, quelquefois sur Instagram, ou oh, je sais pas faire des cornes. Tutoriel pour faire des cornes avec du papier toilette. Pardon. Voilà. Ou tutoriel pour faire une robe sans patron. Tutoriel pour faire un petit t-shirt tout mignon, un nœud papillon. Ah ok. Donc, faut pas hésiter à aller sur YouTube et trouver le tutoriel qui te représente le plus pour faire la chose que tu as envie de faire. Ou poser des questions à des gens qui l'ont fait aussi, ça marche aussi. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Je pense. Le mot d'ordre, ne pas se mettre la pression. Exactement. Ça reste un loisir. Et demain, on étudiera l'envers du décor avec plutôt le côté professionnel, avec les métiers du cosplay. Ce sera une table ronde à 15h également, que vous pourrez aussi retrouver sur YouTube plus tard, si ça vous intéresse. Et pour ce qui est de la nôtre, notre table ronde d'identité et représentation, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à nos trois intervenantes de choc. Applaudissements bien mérités. Et merci aussi à notre public d'être resté avec nous. À bientôt peut-être et bonne journée. Merci.